Il est présent tous les jours sur la table, il relève un plat en quelques pincées, pourtant à forte dose, le sel peut être un poison pour la santé. Chaque année, 1,6 million de personnes meurent prématurément d'un excès de sel dans l'assiette, dont 35 000 en France. 62% des victimes sont des hommes et 38% des femmes. Cet excès fait grimper la tension artérielle et fait risquer un accident vasculaire cérébral ou un infarctus. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas consommer plus de 5 grammes de sel par jour. En France, nous pouvons encore améliorer notre consommation moyenne de 7 grammes grâce à des mesures simples. Il faut absolument que les Français se méfient du sel caché, parce qu'on sait habituellement que dans les charcuteries, les fromages, il y a beaucoup de sel. Mais souvent, on oublie qu'il y en a aussi dans les plats industriels, dans les plats tout préparés. Et puis, on oublie aussi qu'il y a beaucoup de sel, par exemple, dans le pain. L'étude recommande d'accentuer les campagnes d'information à destination du public pour comprendre qu'un grain de sel n'est pas tout à fait inoffensif.